Bien-aimé, bonsoir, c'est le frère Elogique ici. Ce soir, j'ai envie de faire pour vous des prières de protection contre les attaques sataniques qui se déroulent en fin d'année. Les fins d'année sont reconnues pour être des périodes de temps très difficiles sur le plan spirituel et, si je peux même me permettre de le dire, les fins d'année sont des périodes de temps très dangereuses parce que c'est là que l'ennemi tente de détruire les vies, tuer, provoquer des accidents, des tragédies et autres. Malheureusement, c'est dans ces périodes de temps que beaucoup de personnes négligent leur vie, vaquent à leurs occupations, sont préoccupées par la manière dont ils doivent finir l'année en cours ou la manière dont ils doivent commencer l'année prochaine, mais sans toutefois se douter de ce qui se passe sur le plan spirituel. Pour vous éviter d'être une victime des attaques que l'ennemi opère durant les fins d'année ou en début de chaque nouvelle année, j'aimerais faire pour vous des prières puissantes de protection en vue de vous emmener à protéger votre vie et celle de votre famille. Bien-aimés, vous êtes en train d'écouter l'évangéliste écrivain conférencier Éloge Ekissi. Voilà. Pour que ces prières touchent mon but, vous devez, s'il vous plaît, les partager à vos frères et sœurs, enfin, de m'aider à contribuer à la protection des uns et des autres. Nous savons tous que les attaques sont toujours présentes dans nos rêves et parfois, il nous est difficile de dormir tranquille et même en paix, tout simplement parce que nos nuits sont persécutées. Nous sommes de manière répétitive attaqués et nous ne savons parfois comment faire pour freiner ces attaques. Pour cela, je vous exhorte à ne pas garder ces prières pour vous seul. Partagez à un frère, à un membre de votre famille, à un ami, enfin de l'aider à se protéger. Bien-aimés, les accidents qui se déroulent en fin d'année ou en début de chaque nouvelle année sont incalculables. Et pourtant, nous semblons ignorer ces phénomènes et vaquons tranquillement à nos occupations et ne réagissons seulement que lorsque certains événements tragiques que nous redoutons arrivent. J'ai donc décidé cette nuit de prier pour vous, afin que Dieu vous protège. Donc, pour commencer, vous allez d'abord écouter le mode opératoire de cette prière qui consiste d'abord à écouter la prière dans un premier temps, puis à faire pause lorsque je donne un point de prière. Ensuite, après l'avoir assimilé, répété plusieurs minutes, vous laissez couler l'audio et vous attendez le prochain point de prière. Avant de finir, n'oubliez jamais, s'il vous plaît, de prier avec persistance, d'insister sur chaque sujet qui vous intéresse et qui vous concerne. Après, partagez l'audio à votre répertoire afin de contribuer à l'évangélisation et à aider les gens. Le but de cette prière est de vous emmener à faire des prières de protection contre les attaques sataniques et les programmes diaboliques. Mais s'il vous plaît, partagez-la aussitôt que vous aurez fini. Prions ensemble. Répétez avec moi. Seigneur Jésus, merci de l'occasion que tu me donnes pour prier à cet instant, dans le nom de Jésus. Je prophétise la destruction de tout programme de mort qui a été fait contre moi cette année, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise la destruction de tout programme de mort qui a été fait contre moi cette année, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise toute âme mystique forgée contre moi depuis le royaume des ténèbres pour mettre fin à ma vie cette année, au nom de Jésus-Christ. Je brise tout piège qui m'a été tendu par les agents de la sorcellerie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis tout poison mystique qui m'a été ingéré lors de mon sommeil, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute arme forgée contre moi pour mettre fin à ma vie pendant mon sommeil échoue et retourne contre l'envoyeur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout accident mortel qui a été programmé contre moi par la sorcellerie retourne à l'envoyeur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout sorcier qui a décidé de mettre fin à ma vie pour prolonger ses années de vie soit foudroyé par le tonnerre et décapité au nom de Jésus. Que toute main satanique qui disperse tout ce que je tente de rassembler soit brisée et foudroyée par le marteau de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout agent de la sorcellerie qui m'a déclaré la guerre depuis le royaume de Satan soit tranché en deux par l'épée de Dieu et meure au nom puissant de Jésus. Je prophétise que toute date que mes ennemis ont prévue pour ma mort devient la date de leur propre mort s'ils ne l'annulent pas
au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise toute condamnation écrite contre moi dans le livre de condamnation de Lucifer, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise toute punition qui m'a été imposée par la sorcellerie pour me faire souffrir, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Épée de l'Éternel, réveille-toi et foudroie tout individu à la base de tous mes malheurs, au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise toute malédiction envoyée pour lier ma vie et je l'annule, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise toute corde de la mort autour de ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise tout filet de mort qui m'a été lancé depuis le royaume des eaux, et je l'annule et je le détruis, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise et je détruis le pouvoir de toute flèche satanique qui m'a été lancée, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je repousse toute pointe mystique qui a été lancée contre mon cœur et je le retourne contre l'envoyeur au nom puissant de Jésus-Christ. Je repousse toute aiguille satanique qui m'a été lancée et je le retourne contre le cœur de l'envoyeur au nom puissant de Jésus-Christ. Je repousse toute aiguille satanique qui m'a été lancée depuis le royaume des ténèbres et je le retourne contre le cœur de l'envoyeur au nom puissant de Jésus. Que toute poudre mystique qui a été soufflée dans l'air contre moi soit consumée par le feu et retournée à l'envoyeur au nom puissant de Jésus. Que tout filet satanique lancé contre moi pour capturer mon âme se déchire et soit consumé par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus. Que tout piège qui m'ait été tendu par mes oppresseurs soit brisé et échoue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute main satanique qui m'étouffe alors que je dors soit broyée, brisée, foudroyée au nom de Jésus-Christ. Ange de l'Éternel, saisis la hache de guerre et décapite tout agent des ténèbres à la base de mes malheurs au nom de Jésus. Archange de l'Éternel, saisis l'épée et arrache le cœur à tout sorcier qui veut me faire mourir pendant mon sommeil au nom puissant de Jésus. Que tout pouvoir qui veut me sacrifier pour avoir des grades dans le royaume des ténèbres soit décapité et foudroyé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tonnerre de l'Éternel, brise toute association de la sorcellerie qui s'est levée pour combattre ma destinée au nom puissant de Jésus. Ange de l'Éternel, saisis l'épée et brise les pieds de tout chasseur mystique qui poursuit mon âme nuit et jour au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout sorcier qui attend que je m'endorme pour se jeter sur moi soit brisé par le marteau de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ennemi juré de ma destinée qui combat tout ce que je tente d'entreprendre soit égorgé et foudroyé par le tonnerre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout sorcier à la base de mes malheurs libère ma destinée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous ceux qui chantent des incantations contre moi chaque nuit soient tous écrasés par le marteau de Dieu et foudroyés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout sorcier qui manipule mes pensées, mon cœur et mes émotions soit broyé et écrasé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout agent des ténèbres qui étouffe ma motivation pour me décourager soit enchaîné et foudroyé par la foudre au nom de Jésus-Christ. Que tout agent des ténèbres qui étouffe ma force spirituelle et physique soit poignardé et foudroyé au nom puissant de Jésus-Christ. Ange de l'Éternel, tire des flèches mortelles contre tout pouvoir qui poursuit mon âme nuit et jour au nom de Jésus-Christ. Je brise tout programme de mort que la sorcellerie a fait contre moi en cette fin d'année au nom de Jésus-Christ. Je brise toute potion magique qu'ils ont insérée dans ma nourriture spirituellement et je l'annule au nom de Jésus-Christ. Je brise tout complot qu'ils ont forgé pour mettre fin à ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout sorcier chargé de m'exécuter cette année soit broyé, écrasé et foudroyé au nom puissant de Jésus. Que tout agent des ténèbres chargé de me livrer cette année soit découpé par l'épée de Dieu et jeté dans une fournaise ardente au nom de Jésus-Christ. Ange de l'Éternel, déverse maintenant le fer liquide sur mes ennemis et brûle-les au nom puissant de Jésus-Christ. Chaîne de l'Éternel, saisis mes ennemis et jette-les dans une mare d'acide au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ennemi de ma vie
qui planifie ma mort soit foudroyé de plein fouet par l'épée de Dieu et meure au nom de Jésus-Christ. Que tout ennemi de ma vie qui planifie ma mort soit frappé de plein fouet par l'épée de Dieu et meure au nom de Jésus. Que toute personne qui est en train de creuser ma tombe entre dans cette tombe et s'enterre au nom puissant de Jésus. Que toute personne dans le royaume mystique qui est en train de creuser ma tombe entre dans cette tombe et s'enterre au nom puissant de Jésus. Que tout pouvoir qui est allé commander mon cercueil soit enterré à ma place au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute sorcière qui a prévu une place pour m'enterrer soit battue à mort et enterrée à ma place au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout membre de ma famille qui a donné son accord pour que je sois exécuté cette année soit frappé en pleine tête et explosé par le canon de Dieu au nom puissant de Jésus. Que tout sorcier dans ma famille qui a donné son accord pour que je sois tué soit abattu par la foudre et meure au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute association qui me combat par jalousie soit dispersée par l'esprit de confusion et foudroyée au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute association de sorcellerie qui a voté la méthode par laquelle je dois être exécuté meure par cette méthode s'il ne l'annule pas au nom de Jésus. Que tous ceux qui ont décidé de me transformer en poulet et exécuter soient tous transformés en poulet et découpés par l'épée de Dieu au nom de Jésus. Que tous ceux qui ont décidé de me transformer en animal avant de m'exécuter soient tous transformés en animaux et exécutés au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout lion envoyé contre moi et son propriétaire soit consumé par le feu et brûle au nom puissant de Jésus. Que tout animal satanique envoyé contre moi soit écrasé, broyé et jeté dans le feu au nom puissant de Jésus. Que tout sorcier qui poursuit mon âme sans relâche soit poursuivi par des flèches de feu et meure au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ange de l'Éternel, saisis la tête et brise le cou de tout agent mystique qui me poursuit nuit et jour au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout sorcier qui m'a juré la guerre cette année soit combattu et écrasé par les anges de Dieu au nom de Jésus. Caterpillar de l'Éternel, déracine tout obstacle que la sorcellerie a installé sur mon chemin au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout sorcier qui a juré qu'il boira mon sang avant de mourir, boive son propre sang et meure au nom de Jésus-Christ. Il est écrit que l'Éternel donnera à mes ennemis leur propre chair à manger et leur propre sang à boire comme avec du moutre, comme l'on le fait avec le moutre. Je déclare maintenant que tout agent satanique qui a décidé de prendre ma vie pour payer une dette de sorcellerie meurt à ma place et me libère au nom de Jésus. Que tout agent de sorcellerie qui a décidé de sacrifier mes enfants pour avoir des grades dans la sorcellerie meurt et libère mes enfants au nom de Jésus. Que tout pouvoir qui n'attend que je fasse une erreur pour détruire ma vie se détruise lui-même au nom puissant de Jésus. J'envoie la foudre et le canon de l'Éternel pour briser tout complot forgé contre moi au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout individu que la sorcellerie a préparé pour me faire chuter, chute lui-même et soit chassé loin de ma vie au nom de Jésus. Que toute personne qui a été mandatée pour me piéger échoue lamentablement au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise tout programme de mort qui a été fait contre moi et qui n'attend que sa date d'exécution au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise tout programme de mort qui a été fait contre moi et qui n'attend que sa date d'exécution au nom puissant de Jésus. Que tout sorcier qui me provoque afin de m'emmener à faire des erreurs échoue et soit honni au nom puissant de Jésus. Que tous ceux qui se sont ligués contre moi soient frappés par la confusion et dispersés par la foudre au nom puissant de Jésus. Que toute association de femmes qui poursuit mon âme soit chassée par le tonnerre au nom puissant de Jésus. Que toute personne qui a été mandatée par la sorcellerie pour me faire chuter cette année soit chassée loin de moi par la foudre au nom puissant de Jésus. Je refuse d'être une victime des malfaiteurs. Je refuse d'être une victime de la sorcellerie des familles. Je refuse d'être une victime de la méchanceté humaine. Et je refuse d'être une victime des amis hypocrites et de la jalousie. Que toute association qui parle mal dans mon dos pour me dénigrer soit honnie par mon succès au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Que toute personne dont la mission est de détruire ma réputation échoue et soit éloignée de moi au nom puissant de Jésus. Je brise tout piège qui m'a été tendu par la sorcellerie cette année et je l'annule au nom de Jésus. Je brise tout programme de mort qui a été fait contre moi et je l'annule au nom de Jésus. Je brise toute date de mort qui a été fixée contre moi par la sorcellerie et je l'annule au nom puissant de Jésus. Que toute personne de la main de qui je dois mourir saisisse sa propre gorge et l'arrache au nom puissant de Jésus. Que toute personne de l'épée de qui je dois mourir introduise son épée dans son propre cœur et l'arrache au nom puissant de Jésus. Que mes ennemis retournent leur propre arme contre leur propre tête et s'explosent la tête au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute personne qui a une flèche contre moi s'enfonce cette flèche dans son propre cœur au nom puissant de Jésus. Que tout sorcier qui a préparé une poudre contre moi avale cette poudre et meurt au nom puissant de Jésus. Que toute personne qui a préparé un poison contre moi avale son poison et meurt au nom puissant de Jésus. Que tout sorcier qui a envoûté sa main avant de venir me saluer avec soit broyé et écrasé au nom de Jésus. Seigneur, que tout sorcier qui m'appelle au téléphone pour m'ensommer lorsque je décrocherai pour dire allô soit foudroyé au nom puissant de Jésus. Que toute personne qui va m'appeler au téléphone depuis le village pour m'ensommer spirituellement s'ensomme elle-même au nom puissant de Jésus. Que tout sorcier qui va m'appeler pour faire semblant de me souhaiter les vœux de fin d'année, afin de capturer mon âme par ma voix, soit enchaîné et meurt au nom de Jésus. Que tout sorcier qui va utiliser mon téléphone pour me piéger afin de m'ensommer, s'ensomme lui-même et meurt au nom de Jésus. Que toute personne qui va m'appeler durant mon sommeil, afin de capturer mon âme lorsque je vais décrocher, soit foudroyé au nom puissant de Jésus. Que tout pouvoir qui va utiliser mon numéro téléphonique pour pratiquer la magie soit foudroyé au nom puissant de Jésus. Que tout agent des ténèbres qui va utiliser mon téléphone cellulaire pour me piéger soit broyé et écrasé au nom puissant de Jésus. Que tout sorcier qui va utiliser mon propre agent en cette fin d'année pour me nuire soit découpé par l'épée de Dieu et meurt au nom de Jésus. Que tout sorcier qui va faire semblant de me demander de l'argent depuis le village, en échange de mon âme, soit foudroyé au nom puissant de Jésus. Que tout agent mystique qui attend mes moments de faiblesse pour m'attaquer, soit écrasé, broyé au nom puissant de Jésus. Que tout ennemi de ma destinée, qui n'attend que mes moments de faiblesse pour frapper, se frappe lui-même au nom puissant de Jésus. Je brise et je révoque toute date de mort qui a été prévue contre moi. Je brise et je révoque tout piège qui m'a été tendu. Je brise et je révoque toute parole qui a été dite contre moi par mes ennemis. Je brise et je révoque toute parole qui a été dite contre moi par mes amis. Je brise et je révoque toute parole qui a été dite contre moi par mes oppresseurs. Je brise et je révoque toute parole méchante et hypocrite dite contre moi au nom de Jésus. J'invoque la faveur de Dieu sur ma vie. Et j'annule tout programme de mort qui a été fait contre moi. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, enchaîne tout sorcier qui a décidé de me visiter cette nuit au nom de Jésus. Seigneur, enchaîne et découpe tout sorcier qui a décidé de m'attaquer cette année au nom puissant de Jésus. Seigneur, enchaîne et écrase toute association qui a décidé de me prendre ma vie en cette fin d'année au nom de Jésus. Tout sorcier qui ne peut pas m'atteindre et qui attaquera mes enfants, soit foudroyé par le tonnerre. Que tout sorcier qui ne peut pas m'atteindre et qui attaquera mes biens soit foudroyé au nom puissant de Jésus. Que tout agent de la sorcellerie qui ne peut pas m'avoir et qui attaquera mes proches, mes biens, ma maison et mon travail pour se venger soit fendu en deux par l'épée de Dieu au nom de Jésus. J'ordonne à toute personne qui me ferme les portes de les ouvrir au nom de Jésus. Si elle ne les ouvre pas, Seigneur, broie-la et écrase-la. Broie-la et écrase-la. Broie-la et écrase-la. Par le feu. Broie-la et écrase-la. Par le feu, j'envoie le feu. Seigneur, au nom de Jésus, que l'homme fort à la base de mes malheurs soit écrasé. Que l'homme fort à la base de mes malheurs soit écrasé. Que la femme forte à la base de mes malheurs soit écrasée. Que le sorcier à la base de mes malheurs soit écrasé. Que tout individu à la base de mes malheurs soit écrasé. Soit écrasé. Soit écrasé. Soit écrasé. Soit écrasé. Soit écrasé au nom de Jésus.
Que tout sorcier qui a décidé de me prendre la vie soit écrasé. Que tout sorcier qui a décidé de prendre ma vie soit écrasé. Que tout individu qui a décidé de me tuer cette année soit écrasé. Soit écrasé. Soit broyé. Soit foudroyé. Soit écrasé. Soit écrasé. Soit broyé. Soit foudroyé au nom de Jésus. Que tout sorcier, tout ami jaloux qui a décidé de m'empoisonner soit frappé par la colère de Dieu. Que tout sorcier, que tout ami jaloux qui a décidé de m'empoisonner soit frappé par la colère de Dieu. Soit frappé. Soit frappé. Soit frappé. Soit frappé au nom de Jésus. Que tout ennemi de ma vie qui m'attire dans un piège tombe dans son propre piège au nom de Jésus. Ange de l'Éternel, humilie mes ennemis et honnis-les. Humilie mes ennemis et honnis-les. Humilie mes ennemis et honnis-les. Au nom de Jésus. Que tous ceux qui attendent que je fasse des erreurs pour se moquer de moi soient honnis par mon succès. Que tous ceux qui attendent que je tombe pour se moquer de moi soient honnis par mon succès. Que tous ceux qui attendent mes moments de faiblesse pour m'attaquer soient honnis par mon succès. Au nom de Jésus. Épée de l'Éternel, que tout bras qui se lève contre moi cette nuit soit brisé. Que toute langue qui se lève contre moi cette nuit soit coupée. Que toute voix qui se lève contre moi soit réduite en silence. Que tout bras qui se lève contre moi soit coupé. Que tout sorcier qui se lève contre moi soit découpé. Que tout sorcier qui se lève contre moi soit découpé. Que toute personne qui va m'attaquer pendant le jour ou la nuit soit découpée. Soit découpée. Soit découpée au nom de Jésus. Que tout sorcier qu'ils ont mandaté, tout féticheur qu'ils ont engagé pour commettre leur sale travail soit broyé et écrasé. Soit broyé et écrasé. Tout sorcier engagé contre moi, tout marabout engagé contre moi, soit découpé, soit broyé, soit foudroyé, soit découpé, soit broyé, soit foudroyé, soit découpé au nom de Jésus. Que tout sorcier qui veut que je meure par AVC, par un AVC, meure par un AVC lui-même au nom de Jésus. Que toute personne qui veut que je meure par un AVC, meure elle-même par un AVC au nom de Jésus. Que tout sorcier qui veut provoquer une crise cardiaque durant mon sommeil, meure par une crise cardiaque au nom de Jésus. Que toute personne qui veut me tuer par un accident, meure elle-même par un accident au nom de Jésus. Que tout sorcier qui enterre toutes mes bénédictions soit découpé, soit découpé, soit découpé, soit découpé. Tout sorcier qui enterre mes bénédictions soit découpé, soit découpé, soit découpé au nom de Jésus. Que tout sorcier qui brise mes relations soit broyé, soit foudroyé, soit écrasé, soit broyé, soit foudroyé, soit écrasé au nom de Jésus. Que tout pouvoir qui combat ma vie conjugale pour m'affaiblir soit découpé. Que tout agent des ténèbres qui combat ma vie familiale, ma vie conjugale pour m'affaiblir soit broyé, soit écrasé, soit foudroyé, soit broyé, soit écrasé, soit foudroyé au nom de Jésus. Propriétaire des maladies, viens enlever toutes les maladies que tu as déposées dans mon corps. Viens enlever toutes les maladies que tu as déposées dans mon corps. Viens enlever toutes les maladies que tu as déposées dans mon corps au nom de Jésus. Propriétaire des maladies, propriétaire des maladies curables et maladies incurables, viens enlever toutes tes maladies dans mon corps. Seigneur, que tout sorcier qui a déposé des maladies dans mon corps, qui ne vient pas le chercher, meurt cette nuit. 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 Il est écrit que tu ne laisseras point vivre la sorcière et la magicienne. Que tout sorcier qui a déposé des problèmes dans ma vie vienne chercher ses problèmes. Venez chercher vos problèmes. Venez chercher vos maladies. Venez chercher vos souffrances. Si vous ne venez pas chercher que les auteurs de mes souffrances, maladies, pauvreté, meurent, meurent, qu'ils meurent, qu'ils meurent, qu'ils meurent, qu'ils meurent, qu'ils meurent. Il est écrit, celui qui tue par l'épée sera tué par l'épée. Dieu rend à chacun selon ses œuvres. Dieu rend à chacun selon ses œuvres. Que tous ceux qui ont déposé des maladies dans mon corps viennent chercher. Que tous ceux qui ont envoyé des problèmes dans ma vie viennent chercher. Que tous ceux qui ont envoyé les problèmes dans ma vie viennent chercher. Que tous ceux qui ont introduit des difficultés dans ma vie viennent chercher. S'ils ne viennent pas chercher leurs difficultés, s'ils ne viennent pas chercher leurs dégâts, s'ils ne viennent pas chercher leur pauvreté, s'ils ne viennent pas chercher leur célibat, s'ils ne viennent pas chercher leur malheur, qu'ils meurent, qu'ils soient découpés, qu'ils meurent, qu'ils soient découpés, qu'ils meurent, qu'ils soient découpés, qu'ils meurent, qu'ils soient découpés au nom de Jésus. Que tout sorcier qui a programmé la mort contre moi l'annule. Que tout sorcier qui a programmé un accident contre moi l'annule. Que tout sorcier qui a forgé une âme contre moi l'annule. S'il ne l'annule pas, s'il ne l'annule pas, qu'il meure à ma place, 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 au nom de Jésus. Marteau de l'Éternel, brise tout sorcier qui m'attaque pendant la nuit. Brise toute sorcière qui m'attaque pendant le jour. Brise, brise, brise-les,
Brise tout sorcier qui va m'attaquer pendant mon sommeil. Brise-les, 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 écrase-les, brise-les, écrase-les, brise-les, écrase-les, brise-les au nom de Jésus. Aucun sorcier n'a le droit de visite dans mon sommeil. Tout membre de ma famille qui dit avoir le droit parental sur ma vie, je brise ton emprise. Tout sorcier qui dit avoir le droit parental, qui dit avoir l'autorité parentale pour me livrer, soit découpé, soit foudroyé, au nom de Jésus. Tout sorcier qui exerce l'autorité parentale sur ma vie, soit brisé et libère-moi. Tout membre de ma famille qui exerce l'autorité parentale sur moi spirituellement, tout membre de ma famille qui exerce l'autorité parentale sur moi spirituellement, soit brisé, soit foudroyé, soit brisé au nom de Jésus. Tout sorcier qui exerce un contrôle parental sur ma destinée, soit broyé et libère-moi. Soit broyé et libère-moi. Soit broyé et libère-moi. Soit broyé et libère-moi au nom de Jésus. Que toute personne dans ma famille en qui j'ai fait confiance, que la sorcellerie veut utiliser contre moi, soit délivrée. Soit délivrée. Tout le monde de ma famille en qui j'ai fait confiance, que la sorcellerie veut utiliser contre moi, soit délivrée. Soit délivrée au nom de Jésus. Que tout sorcier qui utilise le visage de ceux en qui j'ai fait confiance pour m'attaquer durant mes sommeils, soit broyé, soit écrasé, soit foudroyé, soit broyé, soit écrasé, soit foudroyé, soit broyé, soit écrasé, soit foudroyé, soit broyé, soit écrasé, soit foudroyé et meurt au nom de Jésus. J'exige la restitution. J'exige que mon âme soit détachée. J'exige que mon esprit soit libéré. J'exige que mon âme et mon esprit soient libérés. J'exige ma libération. J'exige ma restitution. J'exige la libération de mon âme. J'exige au nom de Jésus. J'exige la libération de mes enfants. J'exige au nom de Jésus. J'ordonne à la nuit de combattre tous ceux qui vont passer par la nuit pour m'attaquer. J'ordonne au jour de combattre tous ceux qui vont passer par le jour pour m'attaquer. J'ordonne à l'eau de combattre tous ceux qui vont passer par l'eau pour m'attaquer. J'ordonne au feu de combattre ceux qui vont invoquer le feu contre moi. J'ordonne aux démons de retourner contre leurs envoyés et de les détruire. Détruisez-les, détruisez-les, détruisez-les au nom de Jésus. Que tout sorcier qui va se lever contre moi des jours comme des nuits tombe et meurt au nom de Jésus. Que tout sorcier qui va se lever contre moi des jours comme des nuits tombe et meurt au nom puissant de Jésus. Je prophétise que tout sorcier qui va se lever contre moi des jours comme des nuits tombe et meurt au nom de Jésus. Je prophétise que tout sorcier, toute sorcière, tout ennemi qui va se lever pour m'attaquer, pour me voler, pour m'oppresser, pour m'attaquer, pour me voler, pour m'oppresser, des jours comme des nuits tombe et meurt au nom de Jésus. Que tout sorcier qui va se lever contre moi au lever du soleil, au lever du jour, au lever du soleil, au lever du jour, tombe et meurt au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Comme vous aviez remarqué, ces prières ont commencé de manière douce et se sont accélérées. Si vous avez besoin de plus de prières de combat spirituel, de temps en temps sur YouTube, WhatsApp, YouTube, allez-y sur ma chaîne YouTube en tapant Elogique ici. Puis, abonnez-vous et activez la cloche. Chaque fois que je mettrai de nouvelles prières en ligne, vous serez informé. Ou si vous voulez recevoir de temps en temps des prières comme ce que je suis en train de faire actuellement, ajoutez-moi à votre numéro WhatsApp. S'il vous plaît, si vous voulez m'appeler, tenez compte du décalage horaire. Aussi, pour ceux qui aimeraient plus, puisque ces prières de combat sont tirées de mes meilleurs livres de combat spirituel, Protection maximale, Comment prophétiser et né pour combattre le diable, vous pourriez commander mes livres au www.elogicici.com ou au www.océandegrâce.com. Océandegrâce.com. Puis, commandez vos livres de combat spirituel pour vous protéger. Bien-aimés, nous avons longtemps regardé l'ennemi détruire notre vie. Il est temps de nous lever et l'arrêter. Il est temps de dire trop, c'est trop, je reprends le contrôle. Voilà, c'était le frère Elogicici. J'ai voulu faire cette prière pour vous, pour que vous puissiez en bénéficier avec vos frères et sœurs. Mais s'il vous plaît, autant que j'ai été motivé à partager cette prière avec vous, vous aussi, soyez motivés et déterminés à partager cette prière avec vos semblables. Ne faites pas comme si vous n'entendez pas ce que je vous dis, car il y a des gens à qui j'envoie des prières formidables, mais qui les gardent pour eux seuls. Voilà, je suis Elogique ici, je suis en direct sur Facebook, YouTube et Periscope, les mercredis, vendredis et dimanches pour des prières de combat. Si ces prières vous ont plu,
envoyez-moi un petit commentaire. Si je ne réponds pas maintenant, je pourrai toujours répondre. Si vous voulez acheter vos livres, vous pouvez me contacter au 001 438 995 109. 001 438 995 109. Même si ce n'est pas pour acheter des livres, au moins, je sais que en m'ajoutant à votre ligne, votre fixe ou votre ligne de partage de WhatsApp, vous serez aussi en mesure de recevoir de nouvelles prières. C'était l'évangéliste écrivain conférencier Elogique ici, dans le cadre de briser les programmes de mort. Au nom puissant de Jésus, soyez bénis. Bonne journée, bonne nuit, peu importe le moment où vous recevez cette prière. Partagez-la et aidez-moi à évangéliser. Ne la gardez pas pour vous seul. Que Dieu vous bénisse. Alors que vous êtes en train de partager. Au nom de Jésus. Amen.